Ouais. Avec le camion en progrès, ça va envoyer des ouais. Bon, je reste au sol parce que je suis tout seul maintenant. Ok. Bon, ça va. Tant qu'il fait pas noir, ça va. Après, il faut pas que je tarde trop non plus. Quand même sur le podium, je ferai gaffe, je me casse pas la gueule du coup. Ouais, je me sens pas du vite fait. Et après, je m'en vais parce que. Il commence à se faire tard. Puis après, c'est ici, c'est vers mes 8h. Et vu que maintenant je suis tout seul. Allez, c'est parti, on va essayer de pas se planter. Oula. Ah, ça va, je crois que j'ai eu un problème, ça va. Quand on est en haut, c'est vraiment différent, franchement. Il me trace un camion quand même. Alors tout à l'heure, il y en avait une arme au Felony 6S. Sur la piste, oh wow, ça bombardait. Hein. En plus, la piste, vu qu'elle a été mouillée, parce qu'il n'y avait plus entre temps, il faisait du drift. Wow, j'ai plus de frein. Ah, ça va. Je crois que les pneus, vu qu'ils sont pas crevés. Mais quand je freine, elle glisse du cul. C'est marrant. Alors ça change quand même quelque chose, hein, du fait de bloquer un peu le différentiel avant.
Déjà il y a moins de direction mais il y a plus de stabilité. Alors j'ai mis les amortisseurs hydrauliques, c'est vraiment déjà mieux. Puis j'ai mis aussi les billettes à plein inversé aussi. J'étais à fond je pense, je vais regarder vite fait mes EPA de gaz. Ouais je suis à fond. Que l'envers. Non, 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 je suis coincé. Oula, soleil, ça va, il se barre encore. Ah, je suis coincé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir et puis ça aiderait au référencement aussi de ma chaîne. Sachant que maintenant on est à... On commence à être beaucoup sur mes marées. Je suis content que ceux qui suivent ma chaîne soient abonnés. Quoi. On est quand même à 176 je crois abonnés. C'est super. Donc hop. Merde, j'ai plus de direction. Bizarre. Oh, vache. Ouais, j'ai la prise de la batterie qui bloque la direction. Ouais. On va être sur le podium parce que je vois rien. Puis là, donc ça va vite. Ça n'a rien à voir avec les amortisseurs hydrauliques, hein. Franchement, ça me semble mieux les chocs.
pas et bombarde en trouesse. Regardez la vitesse que je vais vous donner en ligne droite. Là, je suis à fond. Ça manquerait de barre en théorie, mais. Et en tout cas, les pneus Tamiya, une fois qu'ils sont chauds, ça accroche. Wow, wow, wow. Merde. Bon ben j'ai cassé. Ah non, ça va, c'est il y a juste des jantés. Ah. Wow. Et j'ai eu plus de frein. J'avais plus de frein. Putain, je crois que je l'avais cassé, mais non, ça va. T'es costaud, Tamiya. Hein. Allez, on y retourne. Putain, je suis surpris, je croyais que je l'avais pété. En fait non, le pneu il a juste déjanté. Oh, je vois plus rien, c'est bon. Attention à l'accélération. Il y a des gens qui regardent dessus. Ah bah ouais, tiens. Je suis des spectateurs. Putain, je suis surpris quand même de la solidité du Tamiya quand même. Franchement, là. Tu peux avoir des châssis à 120 bar. Ah non, je suis bloqué. Merde. Bon, dès que j'ai plus de batterie, moi j'arrête. Hein. Parce que là, si on fait en marche arrière une course, on marche arrière. Ah, sa tête de batterie. T'as un fil de batterie. Je crois que je vais me mettre un peu vite fait sur le podium. Ah, mais fais chier! J'ai le fil de batterie qui me casse les couilles en fait. Ouais, pardon, excusez-moi. Hop! Ah mais je... putain. Putain, il me casse les pieds ce câble. Et j'ai ma GoPro aussi qui a un peu bougé. Alors désolé si vous gerbez du coup.
me demande l'état des pneus après. Après ce pack. Quelle heure il est, parce qu'il faut pas trop que je tarde non plus. Je veux rentrer alors qu'il fait encore un jour. Faut que je rappelle que j'ai. Oh, 6h30. Enfin, 6h20, ça va encore. Je peux encore rester jusqu'à 7h. Encore une heure, c'est bon. Ah, ça n'a vraiment rien à voir avec les amortisseurs hydrauliques. Hein. Comment ça absorbe mieux les chocs. Après là je suis avec les ressorts d'origine donc c'est un peu dur. Putain, les pneus d'origine ils tiennent pavés quand même de temps en temps. Hein.